Les modifications que je propose visent, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. C'était lors du discours sur l'état de la nation le 25 avril dernier. Pour concrétiser l'adoption du projet de loi, le Congrès s'est réuni le mardi 18 juillet au Sofitel Hôtel Ivoire pour juger du bien fondé de la modification de la Constitution. C'est à l'unanimité que le projet de loi a été pris en considération. Mesdames et messieurs les parlementaires, le projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020, est prise en considération à l'unanimité. Après cette étape, la procédure va se poursuivre au sein des deux chambres afin d'aboutir au vote le 25 juillet prochain pour l'adoption définitive de la loi.